Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir une leçon très importante qui porte sur les noms composés et la variabilité des noms composés. Alors, on va voir les types des noms composés. Et la variabilité, c'est-à-dire l'accord des noms composés. Alors, avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos remarques et vos questions. C'est parti! Les noms composés. Un nom composé est un nom formé de plusieurs mots, généralement deux. Un nom composé, c'est un nom qui est composé de plusieurs mots, généralement deux. Ça peut être trois, ça peut être quatre. On trouve un nom composé qui est formé d'un nom plus un nom, c'est-à-dire de deux noms. Un nom composé qui est formé d'un nom plus un adjectif. Un nom composé qui est formé d'un adjectif plus un adjectif. Un nom composé qui est formé d'un verbe plus un nom. Ou bien, un adverbe plus un nom. Ou bien un verbe plus un verbe. Ou bien une préposition plus un nom. Donc il y a plusieurs types de noms composés. On va voir des exemples. Un wagon citerne. Alors, un wagon citerne. Comme vous voyez, c'est un nom composé de deux noms. Il y a deux noms. Il y a un wagon, c'est un nom. Il y a une citerne qui est un nom. Et ce nom, un wagon citerne, a un seul nom qui est composé de deux noms. Wagon et citerne. Un rouge-gorge, c'est un nom composé, c'est un seul nom. C'est un seul nom qui est composé de d'un nom, c'est un nom composé qui est composé d'un adjectif rouge, un adjectif de couleur et un nom gorge, la gorge. Et un rouge-gorge, c'est un seul nom. Il est composé de deux adjectifs plus nom. Un sourd-muet, donc celui qui n'entend pas et qui ne parle pas. Donc un sourd-muet. Un sourd-muet, c'est un seul nom qui est composé de deux mots. La nature de ces deux mots, c'est un adjectif. Donc, il y a deux adjectifs, un sourd et muet. Donc, ces deux adjectifs se sont formés, se sont composés pour donner un seul nom qui est sourd-muet. Un abat-jour, c'est un nom composé de deux mots. C'est un nom composé de deux mots. Le premier mot, abat, c'est le verbe abattre. Donc, c'est un nom composé d'un verbe abattre. Un abat, abattre. Et d'un nom, jour. Un jour, c'est un nom. Donc, un nom composé de deux mots. La nature de ces deux mots, verbe plus nom. Autre exemple, un sous-sol. Un sous-sol. C'est un nom composé de deux mots. La nature de ces deux mots, sous préposition et sol, nom. Donc un sous-sol est un nom composé d'une préposition sous et d'un nom sol. Maintenant, l'orthographe des noms composés, c'est-à-dire comment écrire les noms
composés. Les noms composés peuvent s'écrire. Les noms composés peuvent s'écrire en deux mots, séparés, par exemple, par un trait d'union. On peut trouver deux mots composés je dirais, qui se sont séparés par un trait d'union. Une grammaire, c'est un nom composé. Il est composé de deux mots. Ces deux mots sont séparés par un trait d'union. On peut trouver aussi un nom composé de deux mots séparés par un espace. Par espace. Par exemple, poule mouillée. Poule mouillée. Par exemple, un pomme de terre. Trois mots qui se sont séparés. On peut aussi trouver un nom composé de mots qui sont collés, qui sont soudés. Hein, qui sont soudés, qui sont collés. Par exemple, un portefeuille. Un portefeuille. Donc, porte, c'est un mot. Et feuille, c'est un mot. Et ces deux mots se sont collés, se sont soudés. La variabilité des noms composés, c'est-à-dire le pluriel des noms composés. Est-ce qu'on fait l'accord, c'est-à-dire on ajoute la marque du pluriel ou non? Autrement dit, est-ce que les noms composés sont des noms variables ou bien invariables? Est-ce qu'elles prennent la marque du pluriel ou non? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Dans un mot composé, seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel selon le sens du mot. Alors, la règle générale, c'est quoi? C'est que dans un nom composé, un nom composé, c'est pas un mot, mais c'est un nom composé, seul le mot, le nom et l'adjectif qui prennent la marque du pluriel. Seul le mot, l'adjectif et le nom. C'est la règle générale. Mais aussi selon le sens. Le verbe. La préposition et l'adverbe utilisés dans un nom composé restent invariables. Alors, le verbe, la préposition et l'adverbe sont toujours invariables dans un nom composé. Par exemple, une année lumière. Une année lumière, c'est un nom composé de deux mots. Une année, un nom. Lumière, un nom. Donc, le pluriel, les deux prennent la marque du pluriel. Et on va dire des années lumière. Des années lumière. Donc, les deux prennent la marque du pluriel parce que les deux sont des noms. Un libre-service, c'est un nom composé d'un adjectif libre et d'un nom service. Donc, puisque l'adjectif et le nom prennent la marque du pluriel, donc le pluriel de ce nom va donner des libres services, c'est-à-dire les deux prennent la marque du pluriel. Troisième exemple, un sourd-muet. Donc, un sourd-muet, c'est un nom composé de deux adjectifs, sourd et muet. Et puisque l'adjectif prend la marque du pluriel, donc les deux prennent la marque du pluriel. Et ça va donner des sourds-muets avec la marque du pluriel. S. Mais un laisser-passer, donc c'est un nom composé de deux verbes, laisser et passer. Laisser et passer, le pluriel des laisser-passer, le nom reste invariable. Les deux restent invariables, laisser et passer, parce que ce sont des verbes. Les deux verbes se sont joints pour donner un seul nom qui est un laisser-passer. Un porte-manteau, c'est un nom composé d'un porte, c'est le verbe porter,
Et montant, c'est le nom. Donc, c'est un nom composé de deux mots qui sont collés, qui sont soudés. Ces deux mots, leur nature, c'est quoi? C'est le verbe et le nom. Donc, le verbe va rester invariable des portes, et le nom va prendre la marque du pluriel, ex. Donc, un porte-manteau, des porte-manteaux. Autre exemple, un gratte-ciel. C'est un nom composé de deux mots qui sont joints par un trait d'union. La nature de ces deux mots, le verbe gratter et le nom ciel. Donc le pluriel de ce nom, seulement le nom ciel qui va prendre la marque du pluriel. Alors que gratte, c'est un verbe, va rester invariable. Une avant-scène, c'est un nom composé d'une préposition et d'un nom. Avant, préposition et scène, c'est un nom. Donc, seulement le nom qui va, ou bien seul le nom qui va prendre la marque du pluriel. Des avant-scènes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager. N'oubliez pas de vous abonner de notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir les nouveautés. N'oubliez pas de me laisser des commentaires. Je serai très heureux et très ravi de lire votre commentaire, vos commentaires, vos questions, vos remarques, vos suggestions, vos critiques. Et merci, et à très bientôt.